Scarlet Nexus est un jeu solo narratif, c'est-à-dire qu'il va y avoir une histoire en fait tout simplement autour du, au, à travers laquelle on va découvrir les, tout simplement ce qui se passe dans le jeu et dans l'histoire. On va découvrir le monde aussi. C'est une forme de RPG, hein, bien sûr. On va pouvoir améliorer nos persos au fur et à mesure de l'histoire. Et apparemment, il y a deux pans d'histoire. Donc, il y a l'histoire du garçon et de la fille. Donc, je ne connais même pas les noms d'ailleurs, hein, les gars. Donc, on va découvrir ça ensemble. J'ai fait que la démo, vraiment. Et la démo nous introduit même pas l'histoire. Hein. C'est vraiment histoire qu'on puisse tester le gameplay, le monde, l'univers. Et qu'on puisse choisir tout simplement si on va le jouer ou pas. Et moi, ça m'est quand même plutôt bien plu. Les voix. On va prendre les voix japonaises. On va prendre les voix originales. Ça va être très bien comme ça. Bien que je pense que les voix anglaises sont très bien aussi. Mais j'ai bien envie de prendre les voix japonaises, histoire d'avoir le bah, l'authenticité en fait du doublage. Donc on va prendre les voix japonaises très certainement. Il me semble, si j'ai bien compris. Bah, on va le voir de toute façon. Sélectionner la difficulté normale, facile, difficile. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que pour la première. Alors, s'il faut faire deux parties différentes pour faire l'histoire de la fille et du garçon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la première partie en normale. Et très certainement qu'on passera sur du difficile pour la deuxième partie s'il faut refaire effectivement une deuxième partie. J'imagine de toute façon qu'on peut changer les options au fur et à mesure du jeu. Allez, on est parti! Donc on commence. Et donc on a effectivement voilà le garçon et la fille, donc les deux protagonistes sélectionnés, l'histoire à jouer. Donc. Comme je vous l'ai dit, j'ai regardé un peu des. Moi, j'ai testé le gameplay du garçon pendant la démo. Et j'ai regardé des gameplays de la fille. Et la fille m'avait l'air moins sympa. En tout cas, me correspondait moins. Alors, très certainement, pour avoir toute l'histoire, il faudra que je la passe. Mais en tout cas, j'ai envie de commencer par le garçon, tout simplement. Donc. Yuito Sumeragi. Je trouve la fille plus stylée, l'US. Bon, c'est un choix assez. Chacun ses avis. Ouais. Issu de la prestigieuse lignée du père fondateur, c'est un jeune homme enjoué et très optimiste au très grand cœur. La BEA lui a sauvé la vie quand il était jeune, ce qui l'a poussé à rejoindre en tant que volontaire. Afin de sauver des gens à son tour, il privilégie le combat rapproché en combinant les attaques rapides à l'épée et les capacités de psychokinésie. Eh bien, on va être parti avec Yuito, du coup, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. これより脳と脳を仮想ケーブルでつなぐ訓練とは比べ物にならない痛みだが耐えろシステムオールフリーサスケーブル接続開始Alors, qu'est-ce qui se passe? Il tente d'initier des sortes de liens cérébraux avec une machine. Et ils en souffrent tous. そうだな。この適正試験で貴様の配属招待が決まる。しっかりやれ。了解。On était en train de passer un examen, a priori. これより怪異討伐軍幽体適正試験を開始する。怪異をすべて討伐せよ。OK。Donc on était en train de passer une sorte d'examen, on a eu une connexion et effectivement j'ai l'impression qu'on est le seul à avoir réussi l'examen de connexion de Link avec cette sorte de machine qui a fait apparaître une marque sur notre œil. Et maintenant on va passer un autre examen en essayant de détruire les autres. Alors les autres a priori ce sont les ennemis donc pour déterminer donc notre potentiel et à quel peloton on va être affecté. Alors, déplacer, contrôler la caméra, réinitialiser la caméra.
Non. Ah oui. Alors, on vérifie. Ok. Alors, il va falloir que je m'habitue pour le niveau caméra. Ok. On peut sauter. On peut esquiver. Et accélérer. Allez. Non, t'as le droit de sauter. Yes. Salut Akashi, comment tu vas? Alors, appuyez sur R2 avec les attaques de psychokinésie pour contrôler les objets. Ah, j'adore! Alors les gars, pour ceux qui ne savent pas, ça m'avait manqué, mais effectivement, on parle beaucoup de la DualSense et de ses retours haptiques, vous savez, sur PS5 notamment, c'est pour ça que j'ai pris aussi le jeu sur PS5, c'est parce que vraiment quand on fait justement ces attaques de psychokinésie, donc ce que vous venez voir, où on prend et on projette un truc, on a vraiment de la vibration et de la force dans l'appui en fait dessus, et donc c'est super intéressant. Enfin, c'est super intéressant de voir ce que ça donne et le retour franchement est absolument génial. Alors on peut verrouiller une cible avec R3. Ok. Et après. Ok. Alors j'ai déjà fait le tuto mais c'est vrai que ça faisait un petit peu longtemps donc forcément oui faut que je me remette dans le bain. Alors oui il est sur PS4 le jeu Akashi. Muto se bat avec son pouvoir de psychokinésie, mais peut aussi apporter des attaques armées avec son épée. Appuyez sur carré et ça remplira la jauge de psychokinésie, d'accord. Ok. Intéressant. On va pouvoir aller se fight. Mais j'adore les effets graphiques, j'adore les. Et rond, donc c'est pour esquiver en fait. J'adore ce type de jeu. Donc, non, le jeu est payant, les gars, pour ceux qui souhaitent le savoir. Oui, effectivement, mais. Alors là, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, ça. Et. Bah, pourtant, je le fais R. Hop. Allez, R1. Comme ça. Ok, on peut changer de type, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Et là, il faut faire 3 carrés. Non. Ah, je crois que c'est en même temps. De souvenir, je crois que je l'avais fait ça et c'était en même temps. Voilà. C'est bien les deux boutons exactement en même temps. En tout cas, les effets sont très jolis. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc, ça très sympa. Alors, on a des petits points rouges sur la carte. Je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est notre déplacement, peut-être, non? Appuyez sur rond pour accélérer. Attaque oblique montante. Voilà. Ok, donc on peut même soulever les ennemis. Toujours des attaques de psychokinésie. En vrai, c'est très joli. Hein. C'est très très beau quand même. Bon, moi j'aime beaucoup. Et puis c'est super sympa. C'est assez agréable à jouer. On va pas te mentir. Donc c'est plutôt cool. Attaque spéciale de Yuito. Appuyez sur triangle en vous déplaçant. Pour réaliser une attaque tournoyante en balayage, la jauge de psychokinésie se remplira alors beaucoup. Donc c'est les attaques fortes, j'ai l'impression, ça. Je ne dis pas de bêtises. Effectuez une attaque avec carré quand vous lancez. Attends. Effectuez une attaque armée avec carré quand vous lancez une attaque de psychokinésie. Maintenez R2 puis rapprochez-vous avec carré. D'accord, donc on peut faire une sorte d'enchaînement en fait. Si on fait une attaque de psychokinésie. Carré, voilà, ça nous fait rush vers lui. Ok, sympa, plutôt cool. On va tenter le truc. Très bien, très intéressant. Et salut Kamsino, comment tu vas? Enchaînement de psychokinésie. Donc c'est l'inverse, j'ai l'impression. C'est quand on est en train d'effectuer un combo et qu'on fait R2 en même temps. Donc on va faire hop, hop, hop. Voilà, ça nous fait reculer. Et après on peut re-rush vers lui avec ce qu'on a appris tout à l'heure, donc la ruée. Ok, bah c'est sympa. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de combos et d'options à faire a priori. Hop, on fait comme ça.
Ça nous permet d'esquiver en plus. On peut re-rush. On peut réenchaîner. Ok, ok. Sympa. Sympa, sympa. C'est cool. En vrai, ça marche bien. Hein. Il y a un aim assist pour le truc de psycho. Alors, pour le psycho, il me semble que dans les options, il y avait écrit auto-visé. Donc, effectivement, il doit y en avoir un. Après, on peut le désactiver a priori. Et de toute façon, on peut lock les ennemis sur lesquels on veut que ça agisse. Hmm. Augmente le nombre d'utilisations consécutives possibles. D'accord. Donc, on pourra augmenter. A priori, on va pouvoir débloquer des compétences qui pourront augmenter le nombre de combos qu'on peut faire. Donc, ça, c'est intéressant. Et nous vite combiner tout ça. Oh, il est gros celui-là. Oh, celui-là, il est gros. Super sympa, c'était assez agréable en fait hein, quand même. Effectivement, je pouvais pas combo là par exemple. Il a fallu attendre que j'arrête mon coup parce que je pouvais plus combo à l'infini. Mission accomplie. Ok. Intéressant. Bon, on va voir, je pense que de toute façon, quel que soit ce qu'on a fait, on va être affecté au bataillon puisque c'est dans l'histoire. よし、これで訓練課程は全て終了した。明日からは貴様も海抜軍の正式隊員となる。その前に訓練生には24時間の自由行動が与えられる。24時間の自由行動が与えられる。了解しました。え、お願いいたします。ちょっと、ありがとうございます。アルファラム。ちょっと、ありがとうございます。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 ありがとう
Donc sa famille, je sais que c'est une attraction touristique, mais ils font vraiment des trucs dans ce genre. D'accord, c'est carrément un lieu touristique, le tombeau de sa famille. Intéressant. C'est original en tout cas. Clairement, bah, je, tiens, moi, l'histoire m'intéresse, hein, vraiment. C'est le but quand même du jeu. Donc, d'accord, donc a priori, il est quand même dans une famille qui décide quand même de choses. Son père a décidé de d'autoriser que le tombeau de sa famille devienne un lieu touristique. Alors pourquoi est-ce que c'est si attractif? Peut-être qu'on va le découvrir dans le jeu. Il a un frère, a priori, Yuito. D'accord, donc il voulait pas que son fils rejoigne la BEA. Ah, c'est un homme politique, d'accord. Okay, on voit qu'il s'appelle Kaito Sumeragi, son frère. Donc il a un frère du nom de Kaito. Ah, son frère, c'est le chef de la BEA. Ah ouais. Ok, ok, ok. Donc il est un peu pistonné sur les bords, quoi, pour l'instant, a priori. Alors, vous recevrez des messages de la part de différentes personnes au fur et à mesure du jeu. Message cérébral, R1 et vers le haut. La minimap. Appuyez sur le bouton principal pour l'ouvrir en grand. Prochain objectif sera affiché en haut de la carte. Okay. Voilà, message cérébral reçu. On va regarder un petit peu à quoi ressemble l'interface. Sympa, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc on a des messages de effectivement de Nagi ici. Et donc le message donc, de notre frère qui est le chef de la BEA, Kaito Sumeragi, a priori. Ok, 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 ok. Alors là, ça c'est les options histoire. Donc chapitre 0, prologue, retrouvailles. Voilà, donc là c'est ce qu'on vient de faire à l'heure actuelle. Équipement, donc a priori, voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, on peut changer les équipements, on peut rajouter certains trucs. Donc vous voyez que, en l'occurrence, pour l'instant, on a une épée, donc on va pouvoir changer très certainement au fur et à mesure. On a des accessoires aussi, j'ai l'impression. Et on a aussi des tenues visuelles, donc ça c'est plutôt sympa, c'est des cosmétiques, c'est optionnel. Du moment que ça rajoute pas de stats, moi, ça me va. Vous voyez ici qu'on a donc pas mal de petites choses. Très bien. Et on peut faire des groupes, donc a priori de 3 personnes, donc pour l'instant on peut ajouter personne. Ok. Donc a priori si on regarde la map, oh c'est sympa, on peut l'incliner et tout, plutôt pas mal. Donc objectif, point de sauvegarde, boutique, on va passer à la boutique avant d'aller du coup à l'objectif, comme ça on va regarder un petit peu ce qu'on peut prendre peut-être. Peut-être qu'on a aussi des trucs à télécharger du fait du début du jeu, donc à voir. On peut parler aux gens si on a envie. C'est quoi ce machin vert? Je crois que c'était un... Données environnementales ou objets aléatoires. Hein, intéressant. Intéressant tout ça. On peut pas aller sur la route. C'est du... tac. Alors. Équipement. Donc j'ai reçu un équipement de défense. Et des oreilles de lapin blanc. Oh, c'est pas mal, ça rend plutôt bien en vrai. Et ça n'apporte ouais, aucune stat. Hein. Le cosmétique, c'est vraiment cosmétique. Et ça, ça apporte juste de la défense. Donc a priori, on a une stat de santé, une stat de puissance, une stat d'attaque, une stat de défense. Donc je pense que la puissance, ça a un rapport avec la psychokinésie, donc les pouvoirs. L'attaque, ça doit être l'attaque à l'arme. Et la défense, ça doit être tout simplement notre stat de défense avec la santé. Ok, on est niveau 1. Suivant dans 260 points d'XP. Et on a, donc a priori, si vous regardez de ce côté-là, on a 0 points de compétence et on a 350 de la thune, je pense. Je crois que ça doit être de la thune, ça. Je sais pas encore comment elle s'appelle, cette thune.
Allez, on est parti, on va continuer l'histoire, les gars. On a vu un petit peu tout ce qu'il y avait. C'est Krillin de Dragon Ball, ça va être désagréable. Globalement, il est nul, mais parfois il se sacrifie pour le bien de l'équipe. Aïe, 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 aïe. Allez, donc on arrive au tombeau des Soumeraïs, donc le tombeau de notre famille. On rappelle notre père est un homme politique qui a autorisé les gens à en faire un site touristique. Et notre frère, qui est le chef de la BEA, donc du bureau dans lequel on travaille en fait, lui, bah, on sait pas trop, on sait juste ça pour l'instant. On sait qu'on appartient à une éminente famille, du coup, a priori. Le gars il pense Kaken par contre, Nagi, c'est un truc de dingue. でも華麗なる一族ってやつじゃん。親父さんは評議会議長で、兄貴は海抜軍の司令官。Mon père est le président. Ah oui, d'accord. Donc en tant qu'homme politique, oui, c'est effectivement on a un peu d'influence. しかも建国の父、ヤクモスメラギの子孫だろ。断絶の春で滅びかけた人類を救ったザ英雄。En plus, c'est un descendant de Yakumo Tsumeragi, notre père fondateur. C'est le héros qui a sauvé l'humanité du printemps de l'extinction. Certainement, on apprend plus sur le lore, mais effectivement, bon, on a l'air d'avoir. Yeah. Il y a 2000 ans quand même. Donc, l'humanité a failli. A affronté l'extinction il y a à peu près 2000 ans et Yakumo Tsumeruyi, notre ancêtre, en a sauvé, alors on sait pas trop comment pour l'instant. Fondateur du pays carrément, ok. C'est pas un prénom. Soumeragi sont connus pour avoir beaucoup de trucs. A priori, on n'est pas vraiment dans les fleurs de notre père, il est un peu pas content. Ah, ils ont tiré donc une des fameuses prédictions qu'on peut tirer au Japon qui nous donne bonne fortune ou mauvaise fortune. Et ils ont tiré mauvaise fortune, effectivement. Je me rename Kale. Le beauf. Pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, il y a moyen de tirer en fait différentes prédictions et ils ont tiré un présage de mauvaise fortune. C'est bien parce qu'on voit aussi l'immersion et l'inspiration japonaise en fait dans le jeu, donc c'est assez sympa. Certains messages nécessitent une réponse rapide. Et après, le jeu est quand même pas en open world complet, c'est assez instancié, mais ça c'est pour des raisons de cross-gen, j'imagine, tout simplement. Donc on va pas trop se prendre la tête et on va tout simplement profiter un petit peu de comment c'est fait. En tout cas, c'est très joli quand même. Hein. On peut regarder le monde, mais il est quand même assez détaillé. Je trouve ça assez propre, honnêtement. Les textures sont pas déconnantes, la luminosité est sympa, je trouve. Donc reste à voir. Savoir tout ça, mais en vrai, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt sympa. Les PNJ sont quand même plutôt bien détaillés. Relativement bien détaillé en tout cas. L'interaction avec l'eau par terre est sympa. Moi je peux. On a un poil de ray tracing. Non, pas vraiment. Si, si, on en a un petit poil quand même. Si on regarde sur les reflets donc qu'il y a dans l'eau par terre là, on voit les reflets passer en fait des voitures. Quand même pas mal. Hein. Il y a 2-3 trucs quand même qui font qu'ils sont investis. Ça fait plaisir. C'est assez louable, hein. Je trouve que ils ont quand même mis pas mal de boulot dessus et il y a une vraie extension PS5, enfin, il y a un vrai ajout à la PS5 en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah, donc il y a les ennemis qui arrivent. Une alerte aux autres.
Ils avaient annoncé menace nulle. Ah, c'est des intempéries en fait. Ouais, ils tombent vraiment comme des intempéries du ciel, genre la pluie. En fait. Ok. Soldats des FDN. C'est une autre force, j'imagine. C'est ça qui est derrière les autres, c'est les méchants. Sympa le plan au travers des missiles, j'ai pas mal aimé. Un avertissement de transfert. Ils envoient les gardiens écarlates. Les gardiens écarlates. Ah donc c'est quoi? C'est genre des membres qui sont téléportés pour aller pour aller défendre le peuple? Oh c'est stylé quand même l'apparition. Et ça prend la petite pause. Aïe 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 aïe. Karin et Fubuki du Septentrion. D'accord. Bon, ils ont de la gueule. Karin traverse, commandant du second régiment. Commandant du premier régiment. Septentrion no Karin Traverse. Karin Lentai. Debuki Lentai. Plan Yeda. Tenkai. Minkanchin va Siltae. Oh, ils ont quand même la classe, hein, on va pas se mentir. Ça pète la glace quand même. Si, il y a un animé, oui, aussi, qui me dérape, effectivement. Ah ouais, les éclairs, la glace. On doit aller à l'abri, nous aussi. Mais comment vous êtes... Hey, oh, vous vous battez pas? Non, mais c'est quoi, cet arnaque? Arrêtez les conneries, là, un peu. Bande de noobs. C'est quoi ce délire? Bon bah on va faire ce qu'on nous dit, mais bon ça me fait chier. Moi j'ai envie d'aller me battre. Laissez-moi aller me fight. Je veux aller me fight moi. Bon bah on va sûr hein. Si jamais on voit pas un truc, n'hésitez pas à me le dire hein. Je vais essayer quand même de prendre la plupart des choses. On peut aller par là ou pas? Non. Ok. A priori la ville se met carrément en alerte. Et ils ont des, effectivement des trucs pour empêcher les gens en fait hein, de d'entrer en contact. Il y a la téléportation du coup des membres et tout. Le voleur de pouvoir du Major Karin. Effacement hyper vieuse. D'accord, il peut copier les pouvoirs de tout le monde, lui. Bon, c'est sympa. Le Major Général Spring a joué l'autre. En fait, c'est quoi? C'est un show télévisé? C'est un match de football, le truc, non? Comment ça se passe? Septentrion classe Minardo. N'importe quoi. Ah, lave-la notre mission. Voilà, donc le héros au grand cœur, le voici, hein, là clairement. On est dedans. Ouais, on a pas mal de mouvements et de déplacements dans le combat, donc c'est sympa. Allez, qu'est-ce que c'est ça?
Le menu des objets s'affiche en bas, touche directionnelle vers le bas pour utiliser un objet. Ok. Ça veut dire qu'on va en avoir pas mal là? Ouais! Idée. Ah, j'ai plus de jeu de Tico Vinizi, il va falloir que j'aille au corps à corps du coup pour la recharger en faisant quelques coups. Si vous esquivez des attaques ennemies au bon moment, vous faites une esquive parfaite, vous serez temporairement invincible. Sympa. Bon, je maîtrise pas encore, je loupe pas mal de coups. Hein. J'ai pris l'édition normale, Kinder Pingo. J'ai juste l'édition normale, en vrai, que vu jouer au jeu, j'ai pas voulu envie d'en faire des tonnes. Donc, y a un truc bleu là-bas. C'est quoi le truc bleu là-bas? Écologie des autres baies. D'accord. Donc nous, on est arrivé par là. Ok. Je regarde un petit peu où est-ce qu'on va quand même, hein, ça m'intéresse. Ah, il pleut des plantes. Non, mais c'est vraiment ça en fait. C'est, ça ressemble un peu à des monstres biologiques quand même, à mi-chemin entre la nature qu'on connaît et des monstres, des mutants. En fait. Sympa l'animation. Très joli en tout cas. What? Attendez, ça veut dire que c'est ce membre de la BA qui nous a sauvés, donc elle est vachement plus vieille que nous. Elle a l'air d'avoir notre âge quand même. Ou alors peut-être que c'est sa mère, j'en sais rien. Et a priori, donc c'est la deuxième protagoniste, donc c'est la fille qu'on aurait pu choisir au départ. C'est très étrange quand même. Oh, un boss. Oh, il y a la classe. Bon, on sait toujours pas comment elle s'appelle, on en a rien à battre. Mais YOLO, on fonce dessus quoi en fait. Alors côté caméra, avec les, tous les objets qu'on peut lancer, c'est vrai que la caméra peut se trouver derrière sans faire exprès. Par contre, je prends un peu cher quand même. Ouch! Ça va bien, oui? Ah, j'ai plus assez de pouvoir tic-tic musique, a priori. Je sais pas si c'est proportionnel au poids des objets qu'on soulève, les dégâts qu'on fait en petit coup de midi, je suis curieux de savoir. Il commence à me vénérer lui un peu. Nice! Pas si facile que ça finalement. Pas si facile que ça les combats quand même. C'est ce que je veux dire. Elle s'appelle Kasane. Et une de ses potes a sauvé du coup le boulet. Ah, c'est aussi des recrues.
Alors comment ça se fait qu'on ait un souvenir d'elle? Donc une nouvelle recrue avec nous, c'est Naomi et l'autre du coup. Kasane Randall. Kasane Randall qui est la petite sœur de Naomi, d'accord, on dirait pas putain, on dit l'inverse mais bon. Ah! C'est celle qu'on voyait sur les affiches, celle-là tout à l'heure. Gardien et Carlotte ont éliminé les autres. Ah, donc on a été télévisé en parallèle en fait, du coup on nous prend pour des héros. Nice, stylé. D'accord, elle a éclaté toutes les caméras sans rester. Membre du peloton Kodama. Arashi. Nagi. Ah d'accord, il y a un mec qui peut se taper, ok. Qui nous a fait éviter les caméras, d'accord. Là, il y a un paquet de personnages à retenir. Hein. Membre de la force d'intervention du Septentrion, d'accord. Le numéro 6, ok, Lucas Traverse. Okay. Septentrion, c'est, je crois que c'est un. C'est, pas, c'est comme un duo, un trio, un quatuor. Bah, Septentrion, c'est avec 7, j'imagine. Donc, il doit y avoir 7 personnes hyper influentes, certainement les meilleures. Quoi. Connexion autorisée. あ、戦死者です。警備をしていた会は視覚検閲されていると思いますが。の会は人間の脳を食べるから。あ、イゾキ、マジの、セルボ。うん、サピキャプ。首なし死体を見るのは精神衛生上あまりよろしくないでしょう。 Personne ne peut utiliser qu'un type de pouvoir. Donc nous, en l'occurrence, on a la psychokinésie. Le gamin, lui, il a la téléportation. Chaque type de pouvoir a ses spécificités et ses capacités, tout comme les pouvoirs de chacun a ses forces et ses faiblesses. Okay. Pour les utiliser au combat, on doit recourir à des appareils pour diminuer le stress imposé au cerveau. Ok. ですから超能力を使わなくてもできること。では僕私たちも会員。そんなことはさせないよ。同じ567期だろ。一緒に頑張って。超能力を磨いていこう。それ以前に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 。それ
C'est le niveau 2. Et on a gagné un peu de thunes aussi. Alors, les points cérébraux, les PC. Ok. Lorsque vous gagnez des points cérébraux, apprendre diverses compétences, la carte cérébrale dans le menu. Voilà, donc là, on lui dit, en fait, dans les messages, faudra lire certainement un peu les messages à un moment, mais effectivement, on lui dit qu'elle ressemble à la fille qu'on a en souvenir, en fait, de celle qui nous a sauvés. Et effectivement, c'est assez intéressant. Alors, carte cérébrale affiche donc des compétences apprises. Donc voilà, le moment RPG, en plus des équipements qu'on va pouvoir avoir, tout simplement. On va avoir aussi, donc, des nouvelles compétences qui vont se débloquer. Plutôt sympa. Ah, merde, la presse. La réputation nous précède. Oh bah c'est cool, alors déjà si ça vous plaît, même si vous n'êtes pas habitué à ça, c'est une bonne nouvelle. J'achète que s'il y a une giga promo. Je comprends, après le jeu il coûte cher, surtout que moi j'ai payé sur PS5, donc effectivement. Oh là, il y a tout le monde qui nous regarde un peu de travers là. Hein, qui peut au moins ouvrir sa gueule. Il y a trop de noms les gars, je vais pas m'en sortir. Commandant de peloton Kyoka Eden. Ah, on va aller voir le grand frère. Regarde s'il veut faire monter les bretelles. Nice. Clairement, on nous a dit. C'est quoi ça? Ah, c'est l'intro du jeu? Pas mal! Paquet de personnages à retenir. Sympa l'intro. Je pense que c'était pour introduire aussi le l'animé du coup. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu une grosse peur. Je me suis fait une frayeur. Chapitre 1. Yōkoso waga Seto Shōtai e. Ore wa Seto Narukami. OK. Jō kara omaera no taichō da. Le commandant Seto Narukami va nous prendre en charge. まずは順番に自己紹介してもらおうか。同じ体の人間がどういう、ちなみに俺の超能力は放電だ。エレクトロキネシー。それじゃあ、
De faire l'électricité, j'imagine. Hanabi. Pyrokinésie. Le feu. Manipulation de l'air. Ok, intéressant la manipulation de l'air. Septentrion. Aérokinésie. Bon, c'est le plus nul du Septentrion, mais bon, c'est quand même le numéro 7 les combattants. Ouais. Psychokinésie, donc c'est ah, quelqu'un qui me connaît, il a la classe. Il se prend pas pour de la merde. On sait pas quel est son pouvoir pour l'instant. Les adultes sont les membres de la BEA qui n'ont pas été enrôlés pendant leur enfance. D'accord. On n'a pas la même conception d'adulte, mais ok. Ils n'ont pas été repérés par le BEA. Ok, donc ils peuvent repérer et essayer de recruter. Et ceux qui poursuivent aussi peuvent rentrer. D'accord. Seuls les plus forts, ils réfléchissent sur eux. Ah, lui, il fait de la télépathie. Stylé. Wataru. La clairvoyance. Ça raconte en bas. さて、早速だが実地訓練を兼ねた防衛任務だ。今作戦は2。 Il veut vraiment se faire caser avec Naomi. C'est quand même assez sympa parce que ça reste dans l'esprit un peu animé, l'humour c'est le même et tout. Bon, ça reste japonais évidemment. Mais c'est plutôt sympa quoi. Ça reste plutôt sympa donc c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
nous a donné du coup un système supplémentaire. Ça clignote. D'accord, donc on nous a donné en gros un système d'amplification a priori donc. Sachant que déjà on se met énormément à risque juste en utilisant les systèmes d'amplification cérébrale. Et nous on est le cobaye sur lequel en fait on va prendre cher. Sympa, c'est cool. Merci. Ok, donc nous voici à Kikuchiba avec notre ami d'enfance. Ouvrir la carte du monde pour effectuer un voyage rapidement, d'accord. Genre on peut se déplacer comme on en a envie, par exemple si on regarde. Donc ça c'était Ryujin Suo et là... Ok d'accord, intéressant. Et c'est parti. Donc ça reste dans le même jus quand même, hein, la même sauce de type. Pour l'instant, il n'y a pas trop de différence entre les deux villes. Ville marchande désert. Ah, donc c'est une ville déserte de base. Ok. Intéressant à savoir. Intéressant. Est-ce qu'on peut casser les trucs? Non, a priori, on peut pas. On peut les soulever, mais on peut pas casser des trucs, ok. Ah, je crois que j'ai failli de souvenir dans le tuto cette zone-là. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que je l'ai fait. Zéin Sorotta, na? Narukami Taichou, Shitsumon Yoroshii Deshou? Yuito, Sonna Kashikomara Nakutemo Ii. カイバツ軍は絆、みんな見た目の年齢が強さだけだって。ざっくり言えばそういうことだ。はい。あの、渡るは我が隊のオペレーターだ。本部から指示をくれる。俺の超能力なら半径500キロ程度を目安に指示を送れる。500km de télépathie。ちれ、ça va, il se fait plutôt bien。とはいえ Vous êtes un nouvel ami. Yuito, Tsugumi to suru. Sorezore, Wataru no yudou o ukete, shotei no goal made nokai. Cette équipe sont Nagi, Yuito et Tsugumi. Et les ordres. Wataru guidera la logique. Okay. C'est d'éliminer les ennemis, si on n'y arrive pas, on peut fuir. Et on doit aller à l'objectif imposé. Du coup, on est divisé en groupe de deux, comme on l'a dit. Ok, sympa, sympa. Je m'occupe du soutien, donc ça doit être l'autre qui nous a... Voilà, Wataru Fraser. Arrête pas par contre les messages, on va peut-être pas tous les lire à part si on a autant. Je regarde quand même un peu partout, vérifier si je loupe pas des cadeaux sur la route. Hein. Ok, c'est parti. C'est quoi ça? Le SAC est une connexion inter-cerveau. Il y a un câble virtuel qui permet d'utiliser temporairement les pouvoirs des alliés. Nice! Donc là, a priori, comme elle fait le pyro, on va pouvoir utiliser... Le pyro, vous pouvez le désactiver vous-même avec R1, R3. Ok, donc on peut le faire. Il y a une jauge, j'ai l'impression qu'il s'écoule. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais fait dans le tuto. L'altération de brûlure. Efficace contre les ennemis couverts d'huile. Et là,
On peut taper feu, et ça c'est la classe quand même. Alors effectivement, il faut que j'arrive à contrôler la caméra, mais ça, ça viendra. Ok, bah plutôt sympa du coup. Plutôt sympa. On peut emprunter le pouvoir des autres. Là, c'est utile. Et donc là, on a acquis le pouvoir du feu. Sinon, donc la compétence qu'on vient d'apprendre, que je viens de vous montrer, qui permet de se rétablir beaucoup plus facilement si on est proche en arrière. Sympa. C'est pas mal parce que ça permet de faire des AOE aussi, un peu le pouvoir du feu, donc c'est cool. Et on peut le désactiver. Propre, plutôt propre. Évidemment que je vais essayer de tuer le maximum d'ennemis pour gagner le plus vite possible en niveau et qu'on puisse un peu découvrir le plus possible le gameplay. Hein. Ça, ça va être l'évidence même les gars, donc ça risque de prendre peut-être un petit peu de temps, ça sera peut-être un petit peu plus long. Mais je vais tout faire en tout cas pour essayer d'XP le plus vite possible, comme ça on pourra vraiment profiter en fait de tout le gameplay, de toutes les compétences qu'on pourra apprendre, etc. Et accessoirement faire des gros dégâts. Alors, faut aller par où maintenant? J'ai l'impression qu'il faut monter. Oh là, il y a des trucs à récupérer. On a vraiment des attites. Alors, je sais pas si on peut les contrôler, si on peut choisir un peu leur mode de jeu. Pourquoi je peux pas le prendre le machin? Impossible d'en posséder davantage, d'accord. Et ça, c'est quoi? Environnement. Ok, donc ça, c'est de la carte. Et le reste, j'ai déjà suffisamment de gelée allégée. J'arrose les fleurs, mais c'est vraiment les conversations qu'ils ont sur le terrain, les gars. Ok, donc on doit aller au niveau supérieur, mais moi je vais vraiment faire le tour de toutes les zones pour essayer de ramasser le plus de choses possible et de gagner l'XP, hein, les gars. Sympa, très sympa en tout cas, très très sympa, rien à dire. On a reçu un remède en tablette. Bon, je regarde ce qu'il fait ce remède. Et apparemment il y a un truc à récupérer par là-bas de l'autre côté. On peut passer. Ah, on peut passer sur le côté là. Et oui. Environnement de Kuchi qui va passer. Ouais, 3. Ah, mais ça, ça doit être des items, j'ai l'impression, en fait. J'ai l'impression que c'est des items, ça. Ok, donc on a fait le tour de ce niveau-là. On va remonter, maintenant. Hop. Maintenez L2 pour consommer la jupe de psychokinésie et attaquer avec les objets spéciaux. D'accord, donc c'est quoi les objets spéciaux? Appuyer sur les touches. Ok, donc on va regarder. L2, on nous a dit. Hein. Oh! Ah oui, c'est ça! Je m'en rappelais plus. Nice! Et du coup, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, il y en a un avec lequel on peut combo et pas l'autre, c'est ça? Ou alors peut-être qu'on peut les objets spéciaux, il n'y en a pas beaucoup et du coup on peut pas le faire tout le temps. Par contre ça peut... Ah, ça étourdit les ennemis. Et on peut les mettre à terre. Ok. L'altération d'état brûlure est provoquée par d'importants dégâts de feu que vous subissez. D'accord, donc faut faire attention à ce qu'on se prenne pas l'altération brûlure nous-mêmes. Par contre, on peut l'infliger aussi.
Et du coup, ça doit être pas mal contre les boss, ces altérations d'état, si on peut tous les appliquer. Parce que du coup, si ça peut consommer les barres de. Les barres de points de vie assez facilement, moi je dis pas non. Plutôt curieux, ok. Allez, on monte. En vrai, plutôt pour l'instant, jusque-là, plutôt sympa, j'aime beaucoup. Hein. Alors, c'est quoi cette ville qui est penchée dans le vide? D'accord, ok. Les corbeaux. C'est quoi, c'est la presse? J'ai l'impression que ça avait l'air d'être les drones de la presse. On appelle des corbeaux du coup. Ouais, voilà. L'autre est tout content. Ok, donc les attaques puissantes, je peux aussi les faire en l'air. Bonne nouvelle. Par contre, c'est un peu chiant que les items de mobs qu'on drop, ils se ramassent pas automatiquement. Famille qui vient de revenir, j'étais pas au courant. Alors le jeu, bah le jeu il est excellent, Panda. Il est vraiment excellent. Vraiment, vraiment. Moi j'aime beaucoup. Ah oui, d'accord, faut vraiment se concentrer, du coup on est vulnérable pendant ces attaques. Intéressant. Par contre, ça étourdit vraiment et ça fait énormément de dégâts. Franchement, l'histoire est assez complexe, hein, parce que là en tout cas il y a pas mal de trucs, l'univers est très bien développé. Mais plutôt sympa. Altération d'état couvert d'huile peut ralentir et augmente les chances d'être brûlé. Attention. Okay. Franchement, l'univers est super sympa, c'est assez dynamique et tout. Plutôt propre. C'est vraiment pété, ça fait vraiment beaucoup trop mal. Pour aller par où? On est arrivé par là-bas, moi je suis allé voir ici, donc pour monter par là j'imagine. Oh, Genshin, j'ai terminé les ventes, ils ont abusé pour le dernier défi. Ah ouais? C'est un bon signe alors. Alors, on arrive sur Waller. Alors ça c'est la zone où je m'étais perdu pendant la démo. C'est un sacré labyrinthe là sur lequel on va aller. Donc attendez, on va bien regarder la carte parce que je sens que je vais me paumer sinon. Donc on arrive par là. Donc on monte à l'échelle qui est là. Ça c'est stylé, n'empêche la carte, comment est-ce qu'ils l'ont fait, hein. On voit vraiment bien les couches, les niveaux et tout. Plutôt propre. Environnement de Kikuchiba, c'est x3. Donc on arrive ici, on va prendre un ascenseur.
Ah. Pas vraiment. Ah, faut que j'aille où alors? Ah non, mais c'est... Oui, effectivement, vous voyez pas les dialogues. C'est embêtant. On va monter et on va aller se taper le boss, du coup, j'imagine. On voit qu'il y a des sortes de câbles rouges un peu déstructurés ici. C'est sympa, c'est... On arrive dans cette zone, dans cette grande zone. Oui. Alors, ça sent quand même très bon le boss, les gars. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ah. Oh bah, tiens donc. C'est un autre supérieur. Ah, du coup voilà, on bosse. Ouais, on va se le faire, y'a pas besoin, t'inquiète, tranquille. Allez, c'est parti pour le boss, les gars. Oh, ça a la gueule. Oh, il a grave de la gueule, le boss. Hein. Ok, yallons, Yuito. Oh, par contre, il fait mal. Hein. J'ai l'impression qu'il a un truc d'huile au-dessus, donc effectivement, on va peut-être pouvoir. Alors, il un peu. Est-ce qu'il y a moyen que je le mette attraper l'objet spécial avec L2? Bah, je veux bien, mais. Ah, j'ai pas assez de petits coquins vite, peut-être, faut que je tape d'abord. Oh, je l'ai mis. Et en plus, j'ai mis en feu. Nice. Ah. Là, il perd des points de vie petit à petit. Ah, là, par contre, la barre de vie. Ah d'accord, donc ça a quand même une distance la ruée. Y'a pas un autre objet là que je peux me... Eh, viens par là mon coco. Et... Voilà. On la somme. Je vais un peu la zone de psychokinésie avant. Il faudrait juste qu'il vienne par là, lui. Eh, viens par là. Je peux pas sauter sur moi. Hein. Aïe. On est en état lenteur là avec des villes sur nous. Il n'y a pas moyen que j'arrive à lui mettre. Où est-ce qu'il est le dernier? Il est là-bas. Il va vers la gauche. Allez, viens par moi. Viens voir papa. Viens voir papa, mon coco. Aïe. Après, il y a des cinématiques et il y a des animations pendant. Ah, voilà. Non, maintenant, faut que j'assomme. Voilà. Et là, on va le finir. Allez, je peux le finir là, non?
J'ai pas assez de barre de psycho pour le tuer. Je vais lui balancer tous les objets que je peux, mais j'ai plus de barre de psycho. Là, je fais zéro dégâts par contre au corps à corps quand il est pas étourdi. C'est quoi ça? C'est bon, il est mort? Nice! GG. En vrai, plutôt stylé. Plutôt très très stylé. On se sent la P2, ça, je sais pas pourquoi. Ah, ça pue la P2. Chef! Ok, il en jette le chef quand même. Il a quand même une certaine pique. Ah bah voilà. Oui, oui, bien sûr. カイを倒。ウィジンでの初金星。あの自分セプテントリオン君ならとのセと鳴神隊。ユイとも花火も見事な戦いぶり。スメラギ上等兵が大義のもとに配属されたのはやはり上層部もスメラギ上等兵。さあ、その辺りはみんな祈祷するぞ。 Ok, 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 donc la mission est pas terminée, mais bon, on s'est tapé quand même un boss ou un demi-boss. Et ma foi, c'était quand même plutôt très très sympa. Karasu domo wa inai ka? Kotoshi no nerai star kōhō da yo. Maitoshi shinryū tai-in no naka no medatsu yatsu ga shibaraku tsu. Yes. 注目度高いならいいじゃん。もしかしたら取材とかバン。嵐さんみたいに。あるかもな。ユイト。はい。来る。おっと。つぐみちゃんがカラスを見つけたみたいよ。よし。それじゃあ手短に。これで今回の任務は終わりだ。 今後は上から直接命令が送信されてくる。出撃命令に拒否権はない。所定の時刻に所定の場所、討伐任務と実地訓練は自由参加だ。とはいえ、あまり。OK, donc la mission est terminée. もうすぐそこまで来てますね。じゃあ、あんたさ、ロボだ。他に分からないことは渡るに聞。隊長、俺ここで直帰。 今すぐじゃやばなこと聞かんやれやれかまわん隊長大好き délire un peu. Kaito Sumeragi, premier né de la famille Sumeragi et né de Joito, et on a pas eu le temps de lire la suite et on est passé niveau 5. Ok, donc on est revenu à la ville et on a un petit peu de permission tout simplement, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Un bon travail. Et du coup, on peut aller à la deuxième partie. Ah. Oh là, c'est toi. Sumeragi no Obochama ka. Nan da kanji waru. Nagi-san-ni, Yuito-san. On tombe effectivement évidemment donc sur les sœurs. Ah, reste à savoir ce que ça va donner. Kyoka, sochi mo shin. Sou nano. Kotoshi mo kawaii kotachi ga nyūtai shite kureta kara, ganbatte. Uchi no mo minna i. Ya, kasane da. Sore nari ni yareta to. Soitsu wa yokatta.
On dirait vraiment un robot sans cœur qui a spawné, c'est un truc de fou. Kasane-chan, moshikashite. Dou shita no, Naomi? Ah, Yuito-san. Ie. Ano, kega wa arimasen. Ah, Sakki, Himuka Terebi de Yuito-san no chūkei o. Arigato. Bon, concrètement, la Naomi craque sur Yuito, Nagi craque sur Naomi, lui, Yuito, il va craquer sur Kasane, et Kasane, elle s'en bat les couilles de tout le monde. En gros, c'est ça le triangle amoureux, enfin le quatuor amoureux qui va se passer. Ah, tentative d'approche. Ok, donc ça veut dire que le souvenir qu'on a qui ressemble à Kasane. Alors soit c'est la future Kasane qui est revenue dans le temps pour nous sauver. Et moi les délires de voyage dans le temps, je suis toujours assez intéressé, même si 99% du temps, à voir. Ou alors peut-être que c'était sa mère, potentiellement aussi, qui était une ancienne recrue du BEA. D'où la filiation, mais la ressemblance peut-être. Reste à savoir du coup de quoi il s'agit. Maintenant avec les pouvoirs, effectivement c'est pas impossible qu'il y ait un pouvoir de remonter dans le temps. Alors pourquoi pas. Yuito, 俺もお前